Llevaré Shoraifre, Jivorai Mor, Jivaro, Jivorei, Zagore, Ayumelo, e Jivarame. Jivera y morai, amsura mora varo, bisrai frami monra intra, jevaro, jevazarume, sevojaromer mora vobaru sera ayumelomla. Llevarme, ay un melo, asura mi murai fel mara, eje faru mi maro, je ivaro, eje varu me, murai fura mi malo será. Llevaré. Le Señor n'est pas parti. Et llevará melo. Kusura mi mole bojaburi. Hayumi no varo. Jeimaro. A llevaro. Bonjour à tous, chers auditeurs de Doulos FM et vous, chers téléspectateurs de Zoé Channel, vous également qui nous suivez sur Facebook à l'adresse Ferdinand Prophète et Canet. Ne manquez justement pas de vous connecter tout le temps pour recevoir des notifications sur nos programmes et suivre les cultes en direct avec le couple prophétique Ferdinand et Shalom et Canet les dimanches à 8h. Nous sommes là aujourd'hui avec l'homme de Dieu une fois de plus pour parler des défis du ministère. Alors nous revenons sur ce sujet que nous avons commencer à décortiquer hier. Donc nous parlons avec le révérend prophète Ferdinand Ekanet, qui est le superviseur numéro 1 des églises Rema Ministre Mission au Cameroun et dans le monde entier. Bonjour à vous, homme de Dieu. Bonjour à Daniel et bonjour à tous nos auditeurs. Nous allons également saluer dans ce studio l'aspirante Emmanuel Akamba. Bonjour. Bonjour à vous, Daniel, et bonjour à tous nos auditeurs. Alors, l'un des défis du ministère au Cameroun, ce sont les guerres entre les hommes de Dieu, les divisions, les combats dans toutes les églises. Plusieurs fois, vous avez présenté, invité des hommes de Dieu à Rema Ministre Mission, et la majorité de ces pasteurs se sont retournés contre vous. Ils ont médit de vous. Alors, vos conflits, on le sait, avec les hommes de Dieu datent des débuts de votre ministère, mais comment est-ce que vous les gérez? Je pense que la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. C'est la première chose qu'il faut dire. Et la vie, c'est aussi ça. Vous voyez, c'est le ministère. C'est une affaire spirituelle, mais qui est tenue par des hommes. Et donc, je crois que ça nous donne de grandir, ça nous donne de comprendre mieux la vie, mieux la réalité du ministère. Et ça nous aide aussi à rectifier nos erreurs. Vous voyez. Donc, ça fait qu'on grandit et on prend des résolutions et on avance. Et on sait désormais que faire comme ça, c'est une erreur. Il faut pas le faire parce que, en faisant une perspective cavalière, voici la conséquence. Et on grandit dans tous les cas. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes que j'ai mises, donné la plateforme et puis qui ont profité de ça pour attirer certaines personnes et aller. Donc, c'est la volonté de Dieu. Je veux dire que, comme David le disait, si Dieu n'avait pas voulu, cela serait arrivé. Mais dans tous les cas, ces schismes, ces hiatus, parfois, sont un point d'inspiration pour demain. C'est ça qui nous fait grandir. Ok, homme de Dieu, que pensez-vous donc de toutes ces guerres et ces combats dans le corps du Christ? Je pense que c'est inutile, tout simplement. Ça veut dire que c'est inutile. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a que des perdants. Ça veut dire que le seul gagnant, c'est Satan. Mais l'Église perd dans ces guerres, dans ces batailles inutiles. Parce que lorsque vous y faites attention, vous trouverez que ces guerres, en réalité, n'ont pas de motif réel. C'est-à-dire des personnes qui ne se parlent pas, mais qui ne se sont jamais dit bonjour.
quelqu'un ne vous a jamais volé, n'a jamais pris votre argent pour ne pas le rendre. Mais cependant, vous ne lui dites pas bonjour. Ou alors, dans votre église, vous prenez votre pupitre pour parler contre la personne. Une personne dont peut-être le nom, vous ne connaissez pas son orthographe. Ouais. Donc, c'est des haines gratuites. C'est des guerres inspiré par Satan pour mieux régner sur l'église, pour que l'église n'accomplisse pas sa mission. C'est ça la réalité, mais qui le saura? Qui prêtera attention? C'est la même chose avec la traite négrière. Lorsque le colon est arrivé, il nous a divisé pour mieux régner. Et c'est un adage que tout le monde connaît, divisé pour mieux régner. C'est la même méthode que Satan, qui est un général géostratège, applique aujourd'hui. Il divise les hommes de Dieu pour qu'ils puissent régner, pour que la puissance de Jésus puisse être fragilisée. Vous avez une grande force dans l'unité. Quand vous regardez la construction de la tour de Babel, Dieu n'a pas pu arrêter cette œuvre-là en semant une division entre les hommes. Non, ils étaient unis. Malgré que Dieu disait non, arrêtez. Rien n'est contre, c'est-à-dire rien ne peut détruire l'unité. Un peuple qui est uni est un peuple fort. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'une maison divisée ne peut subsister et une nation divisée contre elle-même ne peut subsister. Donc, mais si il y a unité, la tour de Babel, la seule arme que Dieu a trouvée pour l'arrêter, c'était la diversité des langues. C'est-à-dire que même Dieu lui-même directement n'a pas pu arrêter le projet des hommes à construire la tour parce qu'ils étaient unis. Donc il y a une grande force dans l'unité, comme il y a aussi une grande force dans la désunion. Donc ici c'est Satan qui gagne et c'est l'Église qui perd. Ça fait que les hommes de Dieu vont en rang dispersé et l'impact escompté n'est pas réalisé. Homme de Dieu, au niveau des hommes et précisément des pasteurs, si on vous demandait votre avis en ce qui concerne la manière dont sont attisées justement ces divisions, que direz-vous? Est-ce de la jalousie ou alors de la frustration par rapport au niveau que notre homme de Dieu a déjà eu par rapport à l'autre? Je pense que c'est difficile de le dire, mais on peut juste parler avec des traits d'informations, de remarques sur les choses que l'on a eu à voir. Voyez. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'autres haïssent, d'autres hommes de Dieu sont en guerre avec d'autres juste à cause des lui-dire. Ouais, c'est par exemple une source de division parmi les hommes de Dieu. Quelqu'un vous a dit que c'est un sorcier et ouais, il y a par exemple le prophète King Gédéon qui est en Kouaban. La première fois où j'entends parler de lui, c'est un homme de Dieu qui me parle de lui, qui me dit que c'est un sorcier. On prie là-bas avec le balai, on prie avec les œufs, etc. Donc c'est un sorcier, pratique la sorcellerie. Et après cela, j'ai encore entendu tellement de calomnies le concernant. J'ai décidé d'aller vers lui pour savoir. Parce qu'il a fait une œuvre grandiloquente. Il a fait une œuvre gargantuesque et mastodonte. Il a sorti une grande chapelle dans nulle part. C'est vrai qu'aujourd'hui, la ville entière s'est développée. Donc, je me suis rapproché de lui. Je lui ai dit, ok, je voudrais te connaître. Comment Dieu t'a appelé, ton histoire. Et il m'a raconté, je vous dis la vérité. Et la finalité, c'est que nous étions en train de prier en langue à la fin. J'ai compris que c'est un homme de Dieu. Et Dieu lui a donné une révélation pour sa génération. Dieu lui a donné un message pour sa génération. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait l'habitude de dire, il dit, Kaito kerugmamu, Kaito logosmu. Et ma parole est mon évangile. De l'apôtre Paul s'approprie l'évangile. La leçon que ça nous donne, c'est que chaque homme de Dieu reçoit de Dieu un message précis pour sa génération. Chaque homme de Dieu a son évangile. J'ai mon évangile, l'autre a son évangile et chacun a son évangile. Mais ça devient un problème, une sorte d'acculturation évangélique. Lorsqu'il faut que tout le monde prêche mon évangile. Non, l'évangile n'est pas unicaméral. Non. L'évangile est polycaméral, ça veut dire que l'évangile est divisé, subdivisé, voyez donc. Il faut comprendre les choses comme ça. Le message que tu as, ce n'est pas mon message que j'ai. La mission que tu as est différente de ma mission. Et puis, les voies que tu emploies pour parvenir à l'accomplissement de ta mission ne sont pas les mêmes voies que moi. Voilà pourquoi la Bible dira qu'il y a diversité d'opérations, mais c'est le même esprit. Donc, il faut que les gens comprennent. Parfois, nous n'acceptons pas la diversité d'opérations. Jésus-Christ, lui, il a utilisé les crachats pour guérir les gens. Parfois, les crachats avec la boue, avec la poussière, il fait de la boue, de la pâte, et puis il guérit les gens avec. C'est une opération de l'esprit. Paul n'a pas fait ça. Paul, lui, il a porté le mouchoir. Jésus n'a pas guéri les gens avec le mouchoir. Mais Paul, lui, il a porté l'opération, la manifestation du mouchoir ouin. D'accord, c'est les opérations de l'esprit. Jésus ne rentre pas en guerre avec Paul, qui est dans mon ministère, moi c'est la salive, et toi tu fais le mouchoir, c'est pas Dieu, et tout cela. Et Pierre, lui, il va porter les opérations de l'ombre.
qui guérit. Par son nombre, les gens sont guéris, etc. Donc moi, je pense que l'Esprit de Dieu est insondable et la connaissance de Dieu est tellement vaste que notre ignorance, lorsque nous faisons, nous pensons connaître, c'est alors que nous sommes fous, des pauvres fous. Voilà pourquoi la Bible dit, l'apôtre Paul ayant compris cela, dira, il dit, ek meros, ginoskomen, kai ek meros, prophète ou omen. Nous connaissons, mais en partie infinitésimale. Et nous prophétisons, mais en partie infinitésimale. Donc en réalité, nous caracolons et chevauchons autour de l'infinitésimalité spirituelle. Comme pour dire qu'en réalité, nous ne connaissons rien. Parce que ce que nous connaissons de Dieu n'est rien par rapport à ce que Dieu est. Voilà tout ce qu'il faut comprendre. Donc, l'homme humble est celui qui s'en remet au Seigneur et qui demande à Dieu, aide-moi à comprendre qui je suis et qui est mon frère. Le connaître spirituellement et non pas par ce que les gens disent. Ok, homme de Dieu, justement, parlant de l'unité de l'Église, nous avons appris que vous avez un grand programme avec le prophète Rodrigue Defoe. Est-ce que vous pouvez plus nous éclairer sur cela? Quel programme? Alors, il faut dire, homme de Dieu, justement, que comme l'aspirante Emmanuel a dit, vous avez parlé comme ça de l'unité du corps du Christ, justement, parlant de la nécessité de la solidarité, de l'unité dans le corps du Christ. Vous avez eu aujourd'hui une entrevue avec un autre grand homme de Dieu, le prophète Rodrigue Defoe de la Revive Ministry. Mm-hmm. Qu'en est-il, de quoi portait, sur quoi portait justement cet échange entre vous deux? Je pense que moi je suis parfois mal à l'aise lorsqu'on dit grand homme de Dieu. Mm. Parce qu'il n'y a pas de grand homme de Dieu, il n'y a pas de petit homme de Dieu. Mm. En réalité, il n'y a que des hommes de Dieu. Parce que la grandeur d'un homme de Dieu ne se reflète pas au nombre de gens qui rassemblent ou bien à la prospérité financière ou matérielle. Il faut que les gens comprennent. Parce que dans la parabole de l'homme riche, Jésus-Christ a dit quoi? Il en est ainsi pour celui qui est riche pour les hommes, mais qui ne l'est pas pour Dieu. Vous voyez. Cet homme était très riche. Et les hommes le respectaient, il avait une certaine notoriété parmi les hommes, mais cependant, il n'avait pas Christ. Et donc, il était pauvre pour Dieu. Pour les hommes, il était riche, mais pour Dieu, il était pauvre. Pour les hommes, il était riche. Donc, je pense que ce soit le prophète René Defoe, ou bien tout autre homme de Dieu, ou bien moi, nous sommes des pauvres serviteurs, des humbles serviteurs. Jésus-Christ a dit qu'après avoir fini de faire ce que vous devriez faire, dites, je ne suis qu'un serviteur inutile, je n'ai fait que ce que je devrais faire. Donc, je pense qu'il faut que vous vous défassiez absolument de l'idée de grand homme de Dieu et de petit homme de Dieu. Parce que si on dit grand homme de Dieu, ça veut dire qu'il y a des petits hommes de Dieu. Or, la grandeur d'un homme de Dieu se résume en sa fidélité par rapport à la tâche que le Seigneur lui a confiée. Mais s'il n'a que deux brebis, c'est celui-là qui est grand. Celui qui est grand, c'est celui qui fait la volonté de son maître. Donc, il faut que vous compreniez cela. Que ce soit le prophète Defoe ou moi ou bien une autre personne, nous sommes des serviteurs inutiles. Je pense que c'est cette pensée-là, cette façon de faire, de voir qui sème des brins d'orgueil dans nos cœurs. Et ça fait qu'avec la folie de la jeunesse, on se retrouve parfois en train de tomber dans le culte de la personnalité. Ce qui est une grave erreur qu'il faudrait rectifier dans l'église. Tout ce que nous faisons ne nous appartient pas. J'étais en train de causer avec mon conseiller quand j'allais à la rencontre du prophète Defoe, que en vérité, pourquoi est-ce qu'on serait orgueilleux? Il n'y a aucune raison d'être orgueilleux. Pourquoi? Parce que le souffle que j'ai, c'est-à-dire l'air que je respire, est un don de Dieu. C'est une gratuité de Dieu. C'est Dieu qui me l'a donné. Je ne sais pas comment on fabrique l'air. Je respire seulement. La capacité de respirer cet air est un don de Dieu. C'est Dieu qui me rend aussi capable de le faire. La voiture dans laquelle je roule, c'est un don de Dieu. Parce que Dieu a créé le métal et puis on a transformé pour faire des voitures. La maison dans laquelle je dors ne m'appartient pas. Même si je la construis, le matériau là appartient à Dieu. On a juste rassemblé. Et même l'argent avec lequel je me vends, que je suis riche et j'ai construit une maison, ne m'appartient pas parce que c'est Dieu qui a créé l'argent. Donc, en réalité, qu'est-ce qui m'appartient? Mon propre corps ne m'appartient pas parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Mon âme, mon esprit ne m'appartiennent pas. C'est Dieu qui les a abrités dans cette tente. Donc, je pense qu'il faut comprendre que l'homme n'est rien. Nous sommes rien. C'est-à-dire que tu peux parler comme ça, tu sors une voiture de quand tu meurs. Ou bien coronavirus te prend, ou bien une petite grippe te prend là, tu es fini. Donc c'était une parenthèse pour que vous compreniez que l'idée de grand homme de Dieu, de petit homme de Dieu est une erreur. C'est une grave erreur. C'est pas comme l'idée de fondateur, je suis le fondateur de tel ministère. Je pense aussi que là c'est une grande erreur parce que le seul fondateur c'est Christ. Il dit, «Oti sou eis Petros, en taute te Petra, oikodome sou mouten ecclesia, kai poulai adou katis kosusin, odessi». Il dit, «Oikodome sou mouten ecclesia, je bâtirai mon église», c'est-à-dire c'est lui le bâtisseur et le fondateur. Donc, merci. Maintenant, en ce qui concerne l'entrevue,
Je pense que la Bible dit que Dieu est le maître des temps, des saisons et des circonstances. Voilà, je pense que le temps était venu pour que le prophète de Fou et moi qu'on se rencontre et qu'on puisse parler. Le temps était venu. Donc c'est hier que j'ai un de mes fils qui m'a fait signe que le prophète de Fou l'a contacté pour demander mon numéro et qu'on devrait parler par rapport à l'unité du corps de Christ. Et vous savez que c'est quelque chose qui m'est cher, l'unité du corps de Christ. J'en ai parlé, c'est pour cela l'une des raisons principales pour lesquelles le Seigneur m'a appelé. Donc, et j'ai accepté, j'ai donné mon numéro et puis on a causé hier sur WhatsApp déjà. Il a essayé de m'expliquer que pour lui, il pense qu'il était temps qu'on rectifie les erreurs de nos aînés, de nos prédécesseurs, de ceux qui ont été avant nous. Et parlant des erreurs, il s'agissait des divisions entre les hommes de Dieu. Et tout à fait, il faut être un homme de Dieu fou. Ou bien il faut lutter pour une autre cause que Christ, pour refuser une invitation à l'unité du corps de Christ. Vraiment, il faut être quelqu'un qui ne travaille pas dans le champ du maître. Donc, pour moi, j'ai pris ça comme une opportunité. C'était important qu'on se voit et on a pris rendez-vous pour aujourd'hui. Et j'y suis allé, j'ai visité son église et on s'est croisé, il m'a reçu. Et nous avons discuté, on a partagé sur ça justement, sur l'unité du corps de Christ et sur la nécessité pour nous, hommes de Dieu de cette génération, de venir ensemble, de laisser de côté nos batailles inutiles. Par exemple, le prophète Defo, sur quelle base aurais-je des problèmes avec lui? Puisqu'on ne s'est jamais dit bonjour avant cela. Ouais. Mais cependant, il y a des choses qui nous éloignent. C'est les Juifs, les racontages, les brebis parfois, les hommes de Dieu qui viennent chez moi ou qui vont chez lui, les brebis chez moi qui entendent ceci, peut-être qui interprètent mal ce qu'il a dit et tout cela. Et puis, moi aussi, je peux interpréter mal ce qu'il a dit ou il peut interpréter mal ce que j'ai dit. Et on se retrouve dans des guerres qui ne devraient pas avoir lieu. Donc, c'est pour cela qu'on a trouvé bon de se voir et de parler. Et je pense aussi que la causerie, la conversation qu'on a eue était très édifiante. Elle a été amicale, elle a été très cordiale et fraternelle. Et j'appréciais son accueil simple. J'appréciais sa façon d'être. Et je pense qu'on a discuté comme si longtemps on avait eu à parler avant. Voilà, il faut dire que de ces discussions sont nées comme ça, des initiatives. Vous nous avez parlé à l'entame de cette émission, juste avant ce programme, d'une rencontre que le prophète Eric Deco va organiser demain. Il s'agit d'une nuit de prière et vous êtes invité, homme de Dieu. De quoi sera-t-il question? Voilà, je pense qu'il m'a expliqué qu'il voulait que lui et moi nous tenions un programme. Donc, mais pas nous deux seulement, avec d'autres hommes de Dieu, en collaboration avec d'autres hommes de Dieu, une nuit de prière au sein de son église. Et je pense que c'est important. J'ai accepté cette invitation parce que je pense que nous devons faire vite. Et lui et moi, nous sommes tombés d'accord sur le fait que c'est un coup fatal que nous sommes en train de donner à Satan, que c'est une chose qui n'est jamais arrivée auparavant dans cette nation. Et de voir deux frères que le Seigneur utilise dans une certaine dimension de grâce, et se dire, ok, on va laisser de côté nos préjugés, on va laisser de côté notre justice personnelle, on va laisser de côté nos objectifs, nos batailles égocentriques, pour se soucier du bien général, c'est-à-dire du bien du corps de Christ en général. Et voilà, sur ce point-là, il m'a dit qu'il voulait que nous prions demain pour le réveil au Cameroun, l'unité du corps de Christ, et que nos deux médias puissent exhorter le reste des frères sur l'importance de venir ensemble. Vous voyez? Du coup, il y a des implications. Il y aura de grandes implications à plusieurs échelles. Et je lui ai dit que Satan ne peut pas accepter que les choses se fassent facilement comme ça. Je lui ai dit qu'il faut que ce soit lui ou moi, que chacun se prépare à la guerre, parce que c'est une déclaration de guerre. Nous avons décidé de détruire une fondation qui a résisté à nos parents, a résisté à nos aînés spirituels, à ceux qui jadis naguère nous précédèrent. Donc maintenant, nous on a dit, ok, d'accord, je laisse ma fierté. Lui aussi il a dit, ok, il laisse sa fierté. D'autres aussi à côté disent, ils laissent leur fierté. On a dit, on vient ensemble. Dieu nous a appelés. Il nous a fait confiance. Il nous a confié sa maison, confié son église. Et donc, notre responsabilité, c'est que nous avons dit ce que d'autres n'ont pas pu faire à cause de leur fierté, parce qu'ils étaient trop fiers chacun de soi. Alors, nous avons laissé ça de côté.
notre orgueil à nous, nous avons laissé ça. Tout motif personnel qui nuisait à cette unité, nous en sommes dépouillés. J'ai causé avec ma femme et je bénis Dieu pour la femme qu'il m'a donnée parce que c'est une grande conseillère, c'est une bibliothèque, vous voyez. On a causé et nous avons compris qu'il était temps que ça arrive. Il était temps que nous nous réunissions pour trouver cette solution-là. Donc, la nuit de prière aura lieu chez lui. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Nous sommes jeudi le 7 mai. Jeudi, donc ce vendredi 8 mars. Mmh. C'est 8 mai. Le 8 mai. À quelle heure? 8 mai, à partir de 22h. Mmh. Donc, ça passera en direct de Zoé Channel et de Zoé Channel, de Los FM, YouTube et Facebook. Oui, et de leur chaîne Revival Channel. Oui, Revival Channel. Mmh. Donc, l'équipe de Zoé, de Doulos FM, Zoé Channel, vous serez là-bas, déjà demain en soirée, pour installer les instruments du direct, et on va le faire comme ça. Donc, je pense qu'il est temps que Satan quitte l'église. Il est temps que nos blessures guérissent. Il est temps que nous chacun puisse enterrer sa hache de guerre. Il est temps que nous puissions localiser et définir nos véritables ennemis. L'ennemi, c'est Satan. L'ennemi, c'est pas le prophète de Canaan. L'ennemi, c'est pas le prophète Défaut. L'ennemi, c'est pas Réma. L'ennemi, c'est pas la communauté missionnaire. J'ai vu l'œuvre qu'il est en train d'accomplir là-bas. Vraiment, il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont le cœur pour l'œuvre de Christ. Et voir un jeune homme comme ça qui a cette vision, qui a cet élan, je pense qu'il ne faut pas s'amuser. Mais le diable voudrait que ça n'arrive pas. Vous voyez, je crois que c'est ce que les gens devraient comprendre. Donc on a décidé de cette nuit de prière et je lui ai dit que je pense à mon humble avis que si nous faisons une nuit de prière après le confinement, il faudrait que nous organisions un grand programme ensemble, un grand culte d'action de grâce et de victoire contre le démon de division, de séparation, de séparatisme au cœur de l'église. Et un programme comme celui-là ne pourrait se tenir qu'au stade Amadou Ahidjo. Donc, au stade Omnisport. Donc, nous avons parlé là-dessus et nous nous sommes dit que nous allons travailler sur la date ultérieurement et on va essayer d'arranger et voir comment ça sera. Dans tous les cas, les gens auront l'information. Homme de Dieu, avant de continuer, pouvons-nous avoir plus de détails sur le lieu où va se tenir la nuit de prière de demain? Voilà, il faut dire que la nuit de prière se fera en direct. Ce sera la communauté missionnaire chrétienne chez le prophète Défaut. Voilà, je serai là-bas, je m'y rendrai et on va tenir. Ouais, je crois que la gloire doit revenir à Jésus. Si un homme de Dieu, qui qu'il soit, barre la voie à l'unité du corps de Christ, Jésus ne l'épargne pas. Je vous dis la vérité. Quand vous lisez par exemple Éphésiens chapitre 4, je parle comme ça à mes enfants qui ont des prédispositions volanistiques, séparatistes, et des velléités sécessionnistes. Donc ils comprennent que ce temps est révolu. Hein? Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui vont autour de moi qui vont dire non, papa, non, il faut, s'il vous plaît, nous sommes dans une maison qui ne nous appartient pas. C'est la maison de Jésus-Christ. Et en tant qu'homme de Dieu, j'ai dit au prophète de Fouquet, c'est nous qui avons la clé de l'union du corps de Christ. C'est les hommes de Dieu. Parce que maintenant, lui et moi, nous organisons ce programme, on se retrouve. Et le troupeau que le Seigneur m'a échoué en partage sera obligé de l'aimer et d'aimer son troupeau. Il y aura union entre les deux. Voilà, son troupeau aussi sera obligé d'aimer le mien. Les brebis seront obligés de. Ceux qui avaient des préjugés, des idées préconçues, des stéréotypes, pourront eux aussi enterrer cela. Vous voyez. Donc, je pense que c'est notre responsabilité. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix et non de la guerre. Il y a un seul corps, pas deux, et un seul esprit, pas deux. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun
de nous. La grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Et non pour la division des saints. Et non pour la balkanisation des saints. Et il continue en disant, il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et non pas de la destruction ou de la fragilisation du corps de Christ. Non, l'édification. Donc nous avons cette obligation. On est obligé. Tu ne fais pas ça, tu es dans les problèmes avec le chef de l'église. Et il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Et je vous laisse là. Voilà. Donc vous voyez que là, la responsabilité de chaque homme de Dieu ne serait pas le souci de voir que son église grandisse. La réalité, c'est que le prophète, il n'a pas besoin de moi pour fonctionner. Tout comme je n'ai pas besoin de lui pour fonctionner. Mais le problème maintenant, ce n'est pas une question de lui ou de moi. C'est une question du corps de Christ et du maître, du chef de l'église, qu'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a appelés et qui nous a donné la responsabilité d'unir sa maison, de garder sa maison. Vous voyez, la Bible dit que ce qu'on attend d'un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Mais il faut comprendre que le mot utilisé par dispensateur ici en grec, c'est oikonomos. Oikonomos, oikonomos veut dire, oika veut dire la maison, nomos veut dire serviteur. Vous voyez, oika, nomos, nomos veut dire un serviteur qui partage la nourriture. Vous voyez, donc oikonomos veut dire en grec tout simplement ce que Dieu a mis dans sa maison comme des servants pour nourrir son peuple, ses brebis. C'est ça, oikonomos. Donc, un serviteur n'a pas l'autorité sur lui-même. Comme il n'a pas l'autorité sur la maison de son maître, il fait ce que son maître lui demande. Donc, tout homme de Dieu qui ne va pas dans le sens de l'unité du corps de Christ est un destructeur. C'est quelqu'un qui ne travaille pas pour l'intérêt de Christ. Parce que toute personne qui craint Dieu, toute personne dont le rêve et de donner la gloire à Jésus-Christ, travaillera pour que l'Église soit unie, qu'elle soit forte, car c'est dans cette unité-là que nous parviendrons à accomplir chacun son dessein. Donc, dans le but commun, chacun trouvera son intérêt. Mais si nous allons dans nos intérêts personnels, nous irons en rang dispersé, l'impact ne sera pas comme il doit se faire. Si le prophète de Foy et moi, nous organisons un programme au palais, au Sad Amadou Ahidjo, ce sera plein, un culte, ça c'est clair. Ouais. Donc ce sera quelque chose d'historique. Mais Satan ne peut pas accepter que ce soit facile. Donc automatiquement, nous devons être en prière. Ok, homme de Dieu, justement, le meeting avec l'homme de Dieu, prophète Rodrigue Defoe, a été un très grand pas pour l'avancement du royaume de Dieu et pour l'union du Christ, de la maison de Dieu. Maintenant, que faire justement pour préserver cette union, sachant que cette union est déjà tellement fragile au Cameroun? Que faire pour préserver cette union? Je pense que d'abord, c'est une question de responsabilisation et de conscientisation personnelle. Qui suis-je? Suis-je un chef ou un esclave? Quand l'apôtre Paul écrit ses lettres, le plus souvent, il dira « Paulos, Apostolos Christou Iesu ». Ou il dira « Apostolos Christou Iesu ». Ou alors, parfois, il dit « Paulos, Doulos Christou Iesu ». Diatelematu teyu. Apôtre Paul, esclave de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Ouais. Donc, Paul, il est conscient qu'il est un esclave. C'est ça la vérité. Les gens me suivent parce que je suis quoi? Ou parce que je suis qui? Si j'ai le don de prophétiser, d'annoncer les choses avant que ces choses n'arrivent, est-ce que ce don, je le tiens de moi? Non. Je le tiens de Christ. S'il cesse de m'accorder son don, je deviens aveugle comme tout le monde. Si j'ai la grâce de prier les gens guéris, est-ce parce que je suis fort? Non, parce que Jésus-Christ a mis ce don en moi. S'il retire, je ne suis rien. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira que nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance
soit attribué à Dieu et non pas à nous. Voilà quelqu'un qui a compris le sens du ministère. Moi, je pense que l'humilité est importante dans le ministère. Un homme de Dieu ne doit jamais oublier ses origines. Nous ne devons pas oublier d'où nous venons. Comme le zèbre n'oublie pas, ne perd pas ses ébrus ou ses rayures, le tigre ne perd pas sa tigritude. La Bible dit, n'oubliez pas le creux du rocher duquel vous avez été tiré. Il ne faut jamais oublier d'où on vient. Il ne faut jamais oublier qui nous a appelés. Il ne faut jamais oublier où nous allons. Et il ne faut surtout jamais oublier qui nous sommes. C'est-à-dire rien, personne. Homme de Dieu, plusieurs fois, Dieu a parlé à travers vous disant que le Cameroun est une nation bénie spirituellement. Mais on voudrait vous poser la question de savoir si le fait que les hommes de Dieu soient divisés entre eux est cette possibilité qui empêche donc l'explosion et l'éclosion ministérielle au Cameroun. Est-ce que ce sont les divisions qui sont d'une part à l'origine de l'étouffement de cela? L'étouffement de quoi? De l'explosion et l'éclosion ministérielle au Cameroun. Regardez, oui. Avec une telle richesse, mm-hmm. on ne voit pas encore véritablement les fruits de cette richesse. Oui, en fait, le Cameroun est parmi les nations les plus redoutables en Afrique, en ce qui concerne les ressources spirituelles. Mm-hmm. Nous avons des hommes de Dieu redoutables dans cette nation. Mais le problème, c'est qu'on est divisé. C'est ça qui nous fragilise, vous comprenez. Et une autre chose, j'ai eu à dire à quelqu'un que les démons camerounais, c'est-à-dire les démons qui ont la nationalité camerounaise, ont été choisis parmi les démons les plus dangereux. C'est-à-dire que c'est mieux de rencontrer un démon français ou un démon, je ne sais pas, peut-être ivoirien, nationalité ivoirienne. Mais quand tu croises un démon de nationalité camerounaise, tu le renverses, la force avec laquelle tu le renverses te permettra de renverser 10 démons d'une autre nationalité. Donc on peut dire que les forteresses du Cameroun sont fortes. Elles sont redoutables. On fait face à un adversaire réel, vous voyez. Mais cependant, chacun de nous doit comprendre que comme c'est une guerre, il faut faire attention, c'est une guerre sans merci. En réalité, chacun doit porter sa responsabilité. Et comme j'ai dit précédemment dans mon incipit, la responsabilité est dans la conscientisation personnelle, l'autoconscientisation ou bien l'auto-prise de conscience. Il faut que je comprenne que si je ne joue pas ce rôle, je ne participe pas aujourd'hui à l'unité du corps de Christ, l'histoire m'en voudra demain, les générations futures m'en voudront. Donc je n'ai aucune raison pour ne pas lutter ou contribuer à l'unité du corps de Christ. Et ici, là, nous avons, j'ai le message de mon fils, l'apôtre Serge Ekom, qui m'a écrit: bonjour mon père, je suis en direct de Zoé Channel, je suis fier de la bonne nouvelle, l'unité du corps de Christ. J'avais prié le Seigneur pour un programme, vous et le prophète Défaut. Et je pense qu'il n'est pas le seul. J'ai conseillé avec mon fils Arsène Bic, qui m'a dit, quand il a appris que j'allais rencontrer le prophète Défaut, il m'a dit qu'il était à genoux devant Dieu, qui ne croyait pas qu'une telle chose était possible. Donc ça montre la profondeur de la déchirure. Ça dit que dans l'église aujourd'hui, ça veut dire que l'affaire a tellement impacté l'église au Cameroun qu'on sait que d'habitude, les hommes de Dieu vont chacun de son côté. Mais nous sommes sur le point de changer la donne. Et je voudrais en appeler comme ça à tous les hommes de Dieu qui sont en train de m'écouter, de prendre la chose à cœur. Unissons-nous s'il vous plaît. Unissons-nous. Ne continuons pas à perpétrer les erreurs de nos aînés. Ne pérennisons pas les erreurs du passé. Apprenons du passé. Un peuple qui n'apprend pas de son passé n'aura pas d'avenir. Alors soucions-nous tant peu de l'avenir, de l'héritage que nous aurons à léguer à la génération qui vient après nous. Ne lui léguons pas une église déchirée. Nous pouvons résoudre le problème de la déchirure. Si ceux qui nous ont précédés n'ont pas pu le résoudre, nous, pourquoi ne pas le résoudre? Pourquoi ne pas trouver une solution finale à ce problème et léguer une église unie et qui a une autre façon de servir Dieu et une autre vision du ministère? Voilà les divisions dont donc le corps du Christ sont comme ça un des défis que rencontrent les hommes de Dieu dans le ministère. Nous restons dans le cadre des défis du ministère et on va revenir avec vous, Erima, ministre Michel, et la manière, si vous le permettez, dont vous gérez ce ministère. On va parler comme ça déjà de vos collaborateurs. Hommes de Dieu, on a fait la remarque que vous êtes un peu dur au niveau de la discipline dans la formation de vos pasteurs et parfois d'autres se demandent si ce sont des pasteurs ou alors des soldats que vous formez. On a vu beaucoup qui vous ont quitté, sont allés dans d'autres églises, ils ont adopté d'autres pères et on dit, le prophète Ferdinand Ekan est trop dur, il est toujours en train de mettre les gens à l'épreuve. Pourquoi est-ce que votre formation est aussi difficile? Écoutez, je ne suis pas un civil, je suis un soldat, je suis un guerrier, je suis un samouraï. Et en plus, je suis un évadé de prison. Donc vous voyez, je suis recherché, je suis un wanted. Si vous allez dans le monde des ténèbres, vous trouverez mes effigies, mes photos écrites sur ça, wanted. Recherché vif ou mort.
Donc, je suis conscient de cela. Je suis conscient que Satan me cherche. Je suis dans un champ de bataille. Je me comporte comme un guerrier, tout simplement. Et je pense que Dieu m'a formé ainsi. Le Seigneur m'a préparé à cela. Je suis né dans la guerre. J'étais conçu dans la guerre. Je suis né dans la guerre. Je vis dans la guerre. Je mourrai dans la guerre. Je mourrai avec une épée en main. Dans tous les cas, j'ai dit que quand je mourrai, écrivez sur ma pierre tombale, ce fut un prophète. Donc, je suis un guerrier. Et donc, automatiquement, je donne ce que j'ai reçu du Seigneur. Jean-Baptiste a dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, je pense que c'est cela. Maintenant, si les gens trouvent que ma formation c'est dû, qu'ils aillent où c'est souple. Mais l'histoire nous donnera raison. Le ministère, c'est pas pour les enfants. Le ministère, c'est pas le jeu. Le ministère, où vous réussissez, où le ministère devient votre cercueil, votre tombeau. Donc, nous sommes dans un champ de bataille. Nous luttons contre un ancien général de l'armée de Dieu. Il faut que les gens comprennent ça. Nous parlons d'un général qui a su séduire un tiers des anges dans la présence de Dieu. Vous ne vous levez pas n'importe comment. C'est pour ça que les gens se lèvent n'importe comment. Ils sont détruits. Le ministère les détruit. Le ministère les avilie. Les ministères les houspillent, les saboulent. Pourquoi? Parce que ils ont pris les choses à la légère. Il faut faire attention. J'ai dit une fois que quand vous vous levez, vous priez sur les gens. Vous avez une église, par exemple, de 10 personnes, de villages différents. Donc, chacune de ces personnes, il y a des démons. Hein? Il y a des démons derrière ces personnes qui ne veulent pas que ces personnes soient libres. Maintenant, si la personne est libre, son village est libre. À chaque personne dans son village, il y a des forteresses. C'est-à-dire que plusieurs démons, chacun dans sa spécialité. Donc, une personne à elle représente une litanie, une panoplie, un agglomérat et un conglomérat de démons. Vous faites x10. Ça vous fait des millions et des millions de démons à combattre. Et quand votre ministère grandit, ça fait encore plus, vous devenez encore une grande cible pour Satan. Au début du ministère, j'ai une vision où j'ai vu un faucon qui s'est métamorphosé en une femme près de plus de 100 ans, 120 ans. Et elle m'a regardé, elle marchait avec une canne. Elle m'a regardé, elle ricanait. Et elle m'a dit, Ferdinand et Canet, est-ce que tu sais que Satan a lancé un communiqué dans le royaume des ténèbres, que toi et ton ministère vous soyez détruits absolument? Tu es un wanted. Parce que toi et ton ministère, vous êtes un danger pour les intérêts de Satan dans ce pays. Bon, maintenant, et vous vous réveillez. Vous avez un message comme celui-là. On vous dit que vous êtes un wanted. Le diable a lancé des chercheurs de primes, hein, sur vous. Et vous êtes recherché vif ou mort. Parce que vous et votre ministère, vous êtes un danger. Et puis les gens pensent que quand c'est là pour le ministère, c'est le jeu. Il faut faire attention. Le ministère vous tue. Ça peut vous tuer. Ça peut tuer votre famille, tuer vos enfants à cause du ministère. Voilà, il faut faire attention. Les gens ne comprennent pas la perspicacité du ministère. Quand nous sommes sortis du séminaire théologique aux Assemblées de Dieu, quand on a fait la graduation, mes collègues, pendant qu'ils fêtaient, j'étais en brousse en train de pleurer. Quand on nous a ordonné, eux, ils célébraient. Moi, je pleurais en brousse parce que je savais que mes problèmes avaient commencé. Et mes problèmes ont justement commencé depuis le jour où Dieu m'a appelé dans son œuvre. J'avais des problèmes avant, mais depuis qu'il m'a appelé, j'ai les problèmes d'un autre monde. Ok, homme de Dieu, justement, pensez-vous que la préparation au ministère soit un moment très sérieux, très déterminant? Écoutez, vous regardez par exemple Moïse. Dieu l'a préparé comme général de l'armée égyptienne pendant 40 ans. Ouais, il fait 40 ans de préparation en tant que général dans l'armée égyptienne. Et là, ça pose un réel problème. Ça pose 40 ans dans l'armée égyptienne et dans les arts magiques égyptiens. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait qu'un jour, il aurait besoin de ses connaissances militaires, géostratégiques, pour pouvoir mener les batailles de l'Éternel. Il y a un adage hébreu qui dit « Naftulé Elohim Niftalti ». J'ai combattu les combats de l'Éternel. Donc pour que Moïse combatte les combats de l'Éternel, il a fallu que Dieu le formât pendant ses 40 ans. Maintenant, Dieu l'a aussi formé 40 ans dans les arts magiques égyptiens parce que en tant que prince égyptien, il avait automatiquement part au secret magique de l'Égypte. Voilà pourquoi quand Moïse arrive devant Pharaon, il va jeter son bâton. Et quand il jette son bâton, le bâton devient un serpent, pas un criquet. Ça ne devient pas une grenouille. Ça ne devient pas un corbeau. Pourquoi ça devient un serpent? Les gens lisent parfois, ils ne comprennent pas. Écoutez, il jette le bâton et le bâton, il dit à Moïse, à Aaron, ok, jette le bâton. Le bâton devient un serpent. Pourquoi? Parce que seuls les princes égyptiens à l'époque et le pharaon connaissaient
l'existence des prêtres d'Apophis qui ne sortaient jamais. Parmi les dieux qui étaient dans le palais pharaonique, il y avait un dieu qu'on appelait Apophis. Et Apophis était le dieu serpent. Ce dieu, on ne l'invoquait pas. C'est-à-dire que Pharaon avait le droit d'invoquer tous les dieux, sauf cette divinité. Il fallait invoquer ce dieu-là en cas de force majeure, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de solution. Voilà comment Pharaon, voyant le bâton devenir serpent, est obligé, même le peuple égyptien ne connaissait pas l'existence d'Apophis et de ses prêtres, est obligé donc de faire sortir les prêtres d'Apophis de leur cachette avec leur bâton. L'Égypte ne connaissait pas. Mais Moïse le connaissait, pourquoi? Parce qu'il avait été formé dans les arts magiques, c'était un secret. Et il a provoqué. Et comme Pharaon était orgueilleux, il lui fallait absolument relever le défi. Et donc lui aussi, il a demandé finalement que les prêtres d'Apophis sortent. Et ils ont aussi changé. Apophis s'est matérialisé en devenant un serpent. Et il est venu contre le serpent de Moïse. Et le serpent de Moïse a avalé le serpent des Égyptiens, des prêtres d'Apophis. Apophis s'est retrouvé dans la main de Moïse. Le jour où Moïse a relevé le serpent qui est devenu bâton, il l'a tenu dans sa main, il tenait toute la puissance de l'Égypte dans sa main. C'est le jour-là qu'Israël a été délivré en réalité. Mais cependant, Apophis, c'était le symbole de Satan lui-même, qui était le dominateur, le vrai pharaon sur l'Égypte. Ce jour-là, Satan a perdu son pouvoir, comme Jésus a dit aux apôtres, moi-même je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, c'est pour dire que il faut comprendre que Dieu fait ces choses en son temps, à sa manière et avec les voix qui lui sied. Donc, c'est pour dire que la formation, elle est importante. Maintenant, il ira chez Jéthro. Il va travailler comme 40 ans, pendant 40 ans encore là-bas, en tant que berger. Parce qu'étant déjà général, il avait un sang chaud. Et il a appris les armes magiques. Pourquoi? Parce que Dieu, dans le futur, savait qu'il aurait besoin de ces connaissances-là pour s'habituer au miraculeux. De les armes magiques le préparaient au miraculeux divin. Maintenant, il était déjà général, il connaissait les armes magiques, il était pro-miraculeux. Mais cependant, il était un général, ça veut dire qu'il avait le sang chaud. Il fallait que Dieu temporise son sang parce qu'un bon berger doit être tempérant. Alors, voilà pourquoi Dieu va l'envoyer pendant 40 ans être berger. C'est plus la guerre là-bas, c'est pas les armes magiques, mais c'est être patient derrière les brebis et les conduire, les nourrir, les soigner, les guérir. Et là, Dieu lui a donné le caractère d'un bon passeur. Voilà pourquoi la Bible dira après ces choses que Moïse était plus patient qu'aucun autre homme sur la terre. Donc la formation est importante. Maintenant, celui qui veut sauter les étapes de la formation, ça le rattrapera tôt ou tard. C'est ça la réalité. C'est pour cela que parfois, vous voyez un homme de Dieu, il a plein de talents, mais aussi en même temps plein de lacunes. Et ça fait que son ministère n'arrive pas à être stable. Homme de Dieu, il faut dire que plusieurs fois dans l'histoire de Rema Ministre, mais je n'aime pas la prophétie, vous avez réussi à résoudre des problèmes dans les chapelles, des problèmes de vol que beaucoup ne connaissaient pas, on se posait des questions, des problèmes de querelle, des problèmes de mauvais comportement. Est-ce que cela veut dire qu'un bon leader doit avoir un esprit supérieur à celui de ceux qui sont sous lui? Mais écoutez, si vous n'avez pas un esprit supérieur, les gens vous suivent pourquoi? Vraiment? Si tu as ce que j'ai, je ne te suivrai pas. Les gens ne suivent pas ceux qui ont ce qu'ils ont. Pour qu'un homme, les hommes vous suivent, il faut que vous ayez quelque chose qu'ils n'ont pas. Il faut que vous ayez quelque chose à leur donner, quelque chose à leur proposer. Il faut qu'ils trouvent en vous des talents qu'ils n'ont pas. Parce que sinon, en réalité, que soit la connaissance, un pasteur doit avoir plus de connaissances que ses brebis. Mais si vos brebis connaissent la Bible mieux que vous, ce sont elles qui deviendront votre pasteur. Ou bien si vos brebis ont pris plus que vous, vous n'êtes plus digne d'être pasteur. D'un pasteur doit être à la tête. Et c'est un peu ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 11:1. Il dit, soyez mes imitateurs comme moi, mais je le suis de Christ. Ok, homme de Dieu, moi j'aimerais savoir, par rapport aux batailles par lesquelles vous êtes passé, est-ce que... Par lesquelles je suis passé, que je continue de passer. Okay, que et vous... ça s'arrêtera que le jour où je vais mourir. Ok, croyez-vous que ces batailles sont les conséquences de votre, je sais pas, de votre désobéissance envers Dieu, ou bien c'est une façon pour Dieu de forger votre caractère? Jésus, lui, ses batailles, c'était la désobéissance. D'accord, merci de m'avoir fait rire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on est dans un champ de bataille. On ne peut pas parler de guerre sans bataille. Ouais, c'est un peu ça. Ce qui détermine un samouraï, c'est la guerre. Vous savez, les samouraïs ont été remarquables dans le passé, dans la société japonaise. C'est une communauté que j'ai beaucoup eu à étudier parce que leur existence est parallèle à l'existence chrétienne.
Voilà, donc je suis un soldat et donc quand on dit soldat, on parle de guerre. Homme de Dieu, dans la gestion du ministère Rima, ministre Méchen, il faut dire que déjà Rima est quitté du statut de national à international. Il y a des églises partout au Cameroun et à l'étranger, mais vous êtes un peu comme un homme qui est partout. Vous suivez les câbles distributeurs, vous suivez les programmes de Zoé Channel, Doulos FM, vous êtes avec les pasteurs à l'église, vous avez les rapports des finances. Comment est-ce que vous faites pour avoir le contrôle sur tout? Je ne sais pas si j'ai le contrôle sur tout. Il y a des choses qui m'échappent, c'est ça la vérité. Mais en tant qu'homme, j'essaye de faire le maximum possible. Mais j'ai un contrat avec le Seigneur, vous voyez, c'est d'évangéliser. Voilà pourquoi je crois que pour moi, c'est mon opium. Quelqu'un a dit, je crois c'est Karl Marx, qui a dit que la religion c'est l'opium du peuple. C'est-à-dire que c'est une inspiration satanique là-bas, mais ça nous donne quand même de réfléchir. Ouais, pour moi, c'est une passion, servir Dieu, ouvrir les églises. Je bénis Dieu, déjà qu'à Garoua, nous avons finalement eu un espace, une grande église qui peut contenir 3000 personnes. Parce qu'on avait un problème d'espace à Garoua, et par la grâce de Dieu, en juillet, je serai à Garoua pour inaugurer la chapelle de Garoua. C'est une grande joie pour moi. Et il faut dire qu'on a essayé de travailler cette année. On a une église en Suisse, on a une église en Suisse à Genève, on a une église à Nuremberg en Allemagne, on a une église en France. Bon, mais on s'efforce encore. On s'efforce dans le Cameroun de multiplier. Du début de l'année jusqu'ici, on a ouvert une vingtaine d'églises. Vous voyez, et il y en a encore qui sont en stand-by. Et quoi que je multiplie, j'accélère la formation pastorale. On est toujours à court parce que l'ouverture des églises nous rattrape toujours. On se retrouve toujours à court de personnes. Mais ça va, le Seigneur est bon. Il est vivant et le plus important, c'est que la fin du chose vaut mieux que son commencement. C'est qu'après avoir travaillé comme ça, qu'on ait notre couronne aussi. Que tu te reposes dans ta maison, marchant sur des rives macadamisées en or, dans la Nouvelle Jérusalem. Je crois que c'est un peu ça ce qui me motive tous les jours, sachant qu'un jour, j'aurai à me reposer de ces œuvres-là. Alors, il faut dire que dans la Bible, avec l'histoire de Jésus, on lit une partie où après avoir jeûné 40 jours et nuits dans le désert, Jésus a été tenté par le diable. Et la Bible dit que le diable le transporta. Alors, homme de Dieu, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que un homme doit se comporter au moment de son ministère lorsque le diable vient lui proposer des choses qui sont contraires aux promesses de Dieu. Déjà, il faut que quand Dieu vous appelle, que vous soyez d'abord sûr que c'est Dieu. Parce que beaucoup sont engagés, mais ce n'est pas Dieu qui les a appelés. Ouais. Vous êtes tenté lorsque vous n'avez pas Dieu. Parce que ceux qui ont Dieu, que Dieu a appelé, Dieu les outille et ils ont le potentiel. Ouais. Donc, c'est ce que je disais, que je ne peux envier personne. Je n'envie aucun homme de Dieu. Parce que je pense que Dieu a investi en moi assez de richesses. Je peux aller n'importe où, faire le ministère et je réussirai. Et d'ailleurs, celui qui rassemble 10 personnes au Cameroun peut rassembler 50 ailleurs. Donc, il faut comprendre cela. Mais quand Dieu ne vous a pas appelé, là, ça pose un problème. Le ministère deviendra un ennemi pour vous. Le ministère deviendra tellement difficile. Les choses seront tellement compliquées pour vous, décourageant. Et vous vous en trouverez complètement houspillé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rassurer si c'est Dieu qui m'a appelé. Et je dis souvent aux jeunes hommes de Dieu qui me rencontrent que le ministère, c'est une affaire tellement sérieuse. Déjà pour vous et pour Dieu lui-même. C'est votre vie qui est engagée. C'est toute ma jeunesse que j'ai sacrifiée. Et je suis de la génération sacrifiée. C'est tellement important que... pour moi, je ne peux pas dire que Dieu m'appelle à son service et Dieu m'envoie son ange pour m'appeler. Je vais lui dire que non, si c'est important, viens toi-même. Négocions. Et je dis souvent aux hommes de Dieu que tout dépend aussi de comment vous avez négocié votre contrat de travail avec Jésus. Moi, quand le Seigneur m'a appelé en 2005 dans une vision, il entrait dans ma chambre. Oh, Salumi wa inna blosmi, garusna, anna avlos. Vous voyez, le Seigneur entrait dans ma chambre, il m'a dit, je t'appelle à mon service, mon fils et tout ça. Il a parlé, je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème, hein. Mais j'ai mes conditions. Donc, vous n'êtes pas un béni, oui, vous n'acceptez pas pour accepter. Non, j'ai dit, voici mes conditions. Premièrement, tu me bénis financièrement. Parce que si tu m'appelles à dire la vérité que beaucoup ne veulent pas dire, il faudrait que je sois financièrement indépendant pour qu'on ne fasse pas du chantage. Et de deux, je ne peux pas, je refuse d'être un pasteur d'une église de 1000 personnes. Parce que si je sacrifie toute ma vie, toute ma jeunesse, alors ça veut dire que j'ai besoin aussi de ressentir l'impact de mon ministère dans la vie de millions et de millions de personnes. Je pense que le Seigneur a été d'accord, on a signé notre contrat de travail. Donc, et là, s'il y a n'importe quoi, il y a des promesses que Dieu m'a faites. Il m'a dit, voici le signe par lequel tu reconnaîtras que moi, l'Éternel, ton Dieu, je veillerai sur toute la parole que j'ai prononcée à ton égard pour l'exécuter. Donc, quand c'est mauvais sur moi, je m'accroche à lui. Je dis, souviens-toi que tu m'as promis telle chose dans telle ville, telle nuit, telle date.
Tu m'es apparu, tu m'as dit tes choses. Seigneur, je m'accroche à toi. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand Dieu promet, il le fera. Il est fidèle, notre Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Psaume 89, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Donc nous croyons en lui. Et homme de Dieu, comment est-ce que vous avez réussi à éviter le piège de l'égoïsme? Parce que le prophète Ferdinand Ikané est devenu un homme qui est vraiment célèbre aujourd'hui par rapport à ce que Dieu a fait à travers vous. Non, c'est pas que je suis célèbre, c'est que Jésus-Christ est devenu très célèbre dans notre ministère. Mm-hmm. Vous voyez que quand l'âne est entré de Bethphagée pour Jérusalem, on a déroulé le tapis rouge avec des vêtements, des feuilles et tout. Jésus était assis sur l'âne. Et puis, quand les feuilles étaient déroulées, le tapis rouge qui a été déroulé, c'est pas Jésus qui a marché dessus. C'est l'âne qui marchait dessus. Donc, mais l'âne ne devrait pas tomber dans le piège de se dire, ok, vraiment, je suis célèbre. Je marche même sur le tapis rouge qu'on a déroulé. Ce n'était pas pour lui. Et en fait, l'âne est devenu célèbre parce que c'est pas que l'âne était célèbre. Non, c'est parce que ce qui était sur l'âne, c'est ça qui était célèbre. Et comme c'était sur l'âne, automatiquement, l'âne aussi profitait un peu de ses célébrités. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. De ce que les œuvres de Christ sont devenues célèbres dans ma vie. De savoir aussi que comme c'est à travers moi que Christ entre, je suis l'âne de Bethphagée qui entre à Jérusalem, qui porte Christ. Alors les gens pensent que c'est moi qui suis célèbre. Non, je ne suis pas célèbre, c'est que je porte célèbre. Voilà, et vous, comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce parce que vous avez conscience que ce n'est pas vous qui travaillez, mais Dieu à travers vous? Ou alors c'est juste votre humilité? Moi, sincèrement, je ne sais pas si je suis humble ou quoi, mais ce que je sais, c'est que je ne me tape pas la poitrine parce que c'est un piège. Je suis arrivé au Burkina Faso, j'ai prophétisé là-bas, et les gens disaient, professeur Major One, Major Prophète, Baba, on me donnait des noms, et si je vous dis que ça ne me faisait pas plaisir, je vous mens. Mais ça m'a causé des sérieux problèmes. La nuit, j'étais à l'hôtel quand le Seigneur Jésus-Christ est entré dans ma chambre d'hôtel. Et il m'a dit, Ferdinand, quand tu prophétises, on dit professeur, mais Johan, ça veut dire quoi? Je lui ai dit que non, tu sais que comme nous on est jeunes là, on aime la mouvance, l'action. Il m'a dit que oui, mais ça ne me convainc pas, ça veut dire quoi? Et il m'a dit, écoute, d'autres ont fait comme toi et j'ai ôté mon temps de leur vie. Et après, les gens les haranguaient. Et disaient, bou, 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 bou. Ils ne pouvaient plus prophétiser parce qu'ils étaient devenus aveugles. Il m'a dit, quand je te donne ma parole pour mon peuple, dis-leur juste ma parole. Ne cherche pas à t'attribuer ma gloire, sinon je t'ôterai mon don. Mais entre nous, le même soir, je suis allé, j'ai confessé mon péché en direct. Et je n'ai jamais cessé de confesser ce péché. Donc, celui qui frappe sa poitrine est un insensé. J'ai dit que celui qui a dit qu'il a vu Dieu et qui est orgueilleux n'a pas vu Dieu. Ce n'est pas le vrai Dieu qu'il a vu. Il n'a même pas vu l'ombre de Dieu. Parce que je vous dis la vérité. Quand vous voyez Dieu, Dieu, quand je viens de me marier en 2014, j'étais couché avec ma femme, Dieu m'est apparu dans ma chambre d'hôtel, dans ma chambre à la maison. Je dormais. Et je ne sais pas comment j'ai senti la présence de Dieu dans la chambre. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu l'Éternel, mon Seigneur. Gorami wa anna brosmi kolaza zalas na udelo fili manta udeki. J'ai vu l'Éternel, mon Seigneur, debout au coin de la maison, avec deux grands anges puissants. Avec, ils étaient tous recouverts, la tête recouverte comme ça. Avec un vêtement, s'il était un dessinateur, il dessinerait. Il tenait une grande canne en main. Et il me regardait dans le lit. Je vous dis la vérité, j'ai senti que j'allais mourir. J'ai eu peur. J'ai cru que je mourrais. Et après, quand j'ai regardé, ils avaient disparu. J'ai dit à mon épouse, l'Éternel, mon Dieu, veut m'adresser sa parole. Permets-moi d'aller me coucher au salon. Elle m'a dit, vas-y. Je suis allé au salon et je me suis couché là-bas. J'ai attendu vers 2h, 3h, peut-être 4h du matin. Et là, j'ai ouvert les yeux encore et l'Éternel était encore là, avec les trois anges. Et il m'a dit, j'ai appris que tu étais malade. Que tu avais mal au poumon. J'ai dit, oui, Seigneur. Il m'a dit, l'année prochaine, à cette époque, j'enverrai mon ange vers toi pour te guérir. Et ceux qui se sont moqués de toi, que diront-ils? Et en partant, il m'a dit, enseigne mon peuple sur les donjons de la foi. Et voilà où j'ai commencé à évoquer les catacombes des alcôves dans mes enseignements, les donjons de la foi, pour que l'Église puisse comprendre que servir Dieu, c'est pas facile. Il faut endurer la persévérance, il faut endurer les souffrances, la persécution et tout cela. Parce que nous sommes dans une génération pressée, une génération qui ne veut plus attendre, une génération qui veut tout. Et là, c'est ce que j'appelle en latin le principe du hic et nun, c'est-à-dire ici et maintenant. Mais cependant, Dieu, c'est pas comme ça. Dieu, c'est un Dieu d'étape, un Dieu de temps, un Dieu de saison, un Dieu graduel qui vous amène d'étape en étape. Et voilà un peu. Avant la saison, c'est pas la saison. Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Merci vraiment, ça me va droit au cœur. Parce que moi, j'allais vous dire qu'on arrête déjà. J'ai des choses à faire. C'est gentil.
Merci, homme de Dieu, d'avoir voulu bien répondre à nos questions et de nous avoir donné de votre temps. Merci aussi à vous. Merci, Assurante Emmanuel, d'avoir été avec nous dans ce studio. Merci. Merci aussi à vous, chers auditeurs de Doulos FM. Merci également à tous les téléspectateurs de Zoé Tianet de nous avoir suivis également sur Facebook. Nous allons certainement vous retrouver dans le cadre d'une autre émission. Déjà, il faut dire que j'exhorte tous mes enfants d'être connectés sur tous nos réseaux sociaux demain à partir de 22h en direct de Doulos FM, YouTube, Zoé Channel, Facebook. Ou alors de la Revival Channel. Pour ou de Revival Channel aussi, parce que dans tous nos réseaux sociaux, ça passera. Donc, voilà. Suivez-nous en direct. Et pour ceux qui veulent être sur place, le programme va se tenir du côté... Non, ce n'est pas... Vous savez qu'il y a le confinement. Donc, on n'invite pas les gens. On dit que les gens restent à la maison, qu'ils regardent ça chez eux. Ok, le programme se tiendra donc en direct sur la Revival Channel, sur Zoé Channel, YouTube, Prophète Ferdinand et Canet et Doulos FM 91.5. Ne manquez donc pas cette grande nuit de prière. Il y aura le prophète Erin Defoe, le révérend prophète Ferdinand et Canet et bien d'autres hommes de Dieu. Voilà. Je pense qu'il y aura le prophète Leslie et le prophète Lonti et je crois d'autres hommes de Dieu. Le rendez-vous est donc pris, quitte à vous de le respecter. Et donc, nous allons sortir de cette émission. Merci à vous d'avoir été nombreux à passer ce moment avec nous. Bonne suite de programme sur nos chaînes et merci de nous avoir écoutés. Someone's knocking at the door. Can you hear him knocking? Can you hear